Eh bien bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour eh bien cette nouvelle émission In the Boîte. Ça y est, wow. La nouvelle émission d'In the Boîte avec nos deux équipes de deux candidats dans l'équipe verte. Wow. Nous avons Lola et Dorian. Bonsoir. Wow. Voilà. Et enfin dans l'équipe violette, History et Alanic. Ouais. On est là. Nous allons savoir quelle équipe va atteindre la boîte noire. Gagner donc le trophée. On va savoir ça dans quelques instants. Pour l'instant, on va commencer par la première manche. Chronolettre. Alors, le principe du chronolettre. Quoi, cette merde ? Elle va se calmer, la petite fille. Je vais donc vous dire madame. Une lettre et un thème. C'est comme pour le baccalauréat. Mm-hmm. Si par exemple, je vous dis un métier en, je sais pas, en R. Un romancier. Voilà. Routier. Bravo. C'est bon, vous avez compris. Ah, je suis trop fort. Ah ouais. Wow. Ça n'a pas encore commencé. Ah ouais, j'avais joué, mais c'est... Vas-y, vas-y. Vous êtes prêts? On va gagner. Attends, tu commences par qui? Oui. On va commencer par Lola. Ah. Ensuite, Dorian, vous faites chacun votre tour. C'est mieux, Lola. Attention, 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Je demande un J et une couleur. Lola. Un J? Oui, une couleur. Jaune. Bien, Dorian. Un Z en sport. Vous pouvez passer, hein, bien sûr. Je passe. Ok, par exemple, la Zamba. Lola, en Q, oui. Un animal. En Q, un animal. Mais t'es sérieux, toi? Un... Va te faire foutre. Ok, on va passer avec Dorian. En I, un corps, dans le corps humain. L'intestin. Oui, bonne réponse. Lola, en géométrie, en D. DK cube. Non, dommage. Diagonale. un dodécagone, oui. Dorian, en A, un légume. Ah. Je passe, oui. Allez. Lola, un objet. Dépêche-toi. C'est fini. Eh ouais, j'ai dit le N en objet. Mais vas-y, mais t'as reçu. Et si, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais ils ont parlé, j'ai pas entendu. En vrai, ça a l'air pas d'être difficile. Je comprends pas. Yannick. C'est pas grave, fais à eux. Oui, ben on va le faire à eux. On va le faire à eux. Pour l'instant, vous accumulez 300 points. Ou 200 points. Non. Hein. 200 points. Hein, t'avais dit 300 points? Oui, non, 200 points. Je viens de m'en rappeler quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, History, est-ce qu'il est prêt? Je suis prêt. Parce qu'on va commencer par toi. 1 minute 10. Ça commence dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. J'ai un C en animal. Un capybara. Bien. Alanic, A en métier. Artiste. Bien. History, L en figure géométrique. Bien. Alanic, je demande un S en légumes. J'ai pas. Ok. History, Y en créature. Passe. Ok. Alanic, U en pays. L'Uruguay. Bien. History, D en corps humain. What? Dans le corps humain. D dans le corps humain. Oui. Okay. Alanic, B en transport. Le bus. Bien. History, U en couleur. Il n'y en a pas. Il y en a forcément une. Passe. Bah non, c'est fini. Ouais. C'est fini. Combien de points? Eh bien, vous accumulez, alors attendez, 500 points. Bon, ah bah écoutez, ça commence à peu près bien. Bon. On est mal. Vous pouvez encore reprendre la tête. Mais pour ça, il faudra répondre à des questions de culture générale. Ok? Je vais vous expliquer. Vous allez avoir chacun deux questions. D'accord?
Ouais. Vous avez trois propositions de réponse. Vous me donnez une bonne réponse, directement, vous gagnerez 200 points. Si malheureusement, vous me donnez une mauvaise réponse, bah, la main passe à l'équipe. En revanche, ils ne gagneront que 100 points. On peut buzzer, on peut buzzer. Alors oui, il faut buzzer. Là, pour cette manche, Anna, il faut appuie, s'il te buzzer. plaît. Écoute-moi bien, on buzz. Voici la première question. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Allez. Dans les bronzes, alors je lis la question, vous aurez trois propositions et ensuite vous buzzer. D'accord. Dans les bronzés font du ski. Quel jeu de société est oublié par les anciens locataires de l'appartement de Bernard et Nathalie? Est-ce qu'il s'agit Je l'ai. du Monopoly, des petits chevaux ou du Scrabble? T'as la réponse. Les verts. Le Scrabble. Ouais. Vous validez? On Moi, va aller. Je l'avais pas dit. Bah vous voyez, hein, vous voyez que vous y arrivez en culture générale parce que c'est la bonne réponse, c'est bien. Ouais! Ah, vous pour faire gagnez confiance. 200 points. Quelle est la langue officielle du Brésil? Je l'ai. Est-ce qu'il... Ah, bah d'accord, j'ai pas posé. Alors je vais dire les propositions et ensuite vous pesez. Est-ce qu'il s'agit du portugais, de l'espagnol ou du brésilien? Faut peser. Les violets. Non, j'ai pas quelqu'un qui m'aurait pas Les violets, vous me dites. La langue principale, c'est le portugais. Je valide. On valide notre réponse. D'accord, très bien. Bon, je vois que Isori préfère jouer seul. Mais bon. Parce qu'il dit je valide. Ah non, non, non. J'ai dit on valide. C'est bon, il veut jouer seul. Et bien oh, sûr, non, reviens ici. C'est la bonne réponse, c'est bien le portugais. Oui. Bravo. Passons maintenant à la question suivante. Oui. Quel pays est le premier producteur mondial de tulipes? Est-ce que c'est la France, le Pays-Bas ou l'Angleterre? Top. Buzz! Faut buzzer J'ai après! buzzé. Faut buzzer après, proposition! Oh, ça Les va! violets! Oh, mais c'est m'énerve! Yannick, on est d'accord. On va dire les Pays-Bas. Oui. Vous validez? Je valide. Valide. Est-ce que l'équipe verte, vous voulez dire ça? Je crois pas. Bah, si Lola. C'est ça, c'est juste logique. C'est et pas oui. la France et c'est pas le. Bah, non, ce sont les Pays-Bas, bien sûr. Bonne réponse pour les violets. Voici la dernière question. Avant la question en or. Non, on n'est pas dans la okay. question à la marche. Hein. Ah, non, ça va. Mais ça va, j'ai pas dit. Plateau est derrière. Oui. Quel attribut de l'autruche ornait jadis l'uniforme des mousquetaires? Est-ce qu'il s'agit de la griffe, de l'aile ou de la plume? Les verts. Oui, quoi? Mais t'as... Je sais pas, moi. C'est quoi les trois propositions, déjà? La griffe, l'aile ou la plume? T'as une idée? La plume. Vous validez? D'accord, très bien. Sinon, il n'y a aucun sens pour les autres. Vous avez une idée ou pas? En vrai, j'aurais dit la même chose. Ouais, moi aussi, j'aurais été pour la plume. Aussi, on aurait été pour les la chapeaux. Plume. Bah, eh bien, bah, bravo. Bravo à l'équipe verte, c'est bien sûr la plume. Oh, oh là là, oh là là. Allez, faisons un petit point sur les scores, sur les points. L'équipe oh, violette, 900 points. L'équipe verte, 600 points. On n'ira pas dans la boîte noire, Gustave. Voici ouais. la dernière question, la question en or. Je bon. Vais vous poser une Merci. Question et vous n'aurez que 10 secondes de réflexion. Vous devez... Non, il n'y a pas besoin de buzz. Vous devez me donner un chiffre. La réponse est chiffrée. D'accord? En une minute, combien de rotations a établi The Guy Young? Top, c'est parti. Réfléchissez. Vous direz combien, toi? Je sais pas. J'ai aucune idée. The Guy Young. C'est fini. L'équipe verte, il me faut une réponse. C'est nous? Oui, il me faut une réponse tout de suite. Vas-y, on va dire 25, je sais même pas d'où ce que tu me poses en fait. Donc, 25, l'équipe violette. 25. Je pense. Dire 50. 35.
50. Ouais, 50. 50 ouais. 50. Tu dirais combien, toi? Elle dit 50. 50, ok. Je dirais 50. On valide. Alors, je rappelle que l'équipe la plus proche gagne 200 points. Si ouais, jamais, bah, ça sera pas nous. Si jamais vous avez fait un tout pile, c'est 500. Mais il n'y a pas de tout pile. Alors, en septembre 2007, The Guy Yang a établi le record de rotation en une minute suspendu au plafond par une perceuse. Et il en a fait. Oh bordel! Il en a fait. 141, donc c'est l'équipe violette qui est le plus proche. Waouh! Ah oui, l'équipe violette. Ah, pas bon, c'est pas logique. Ça fait, on partait pas gagnant, c'est pas grave. Bravo, oui, oui. Et on préfère juste s'amuser. Hein. Bon, ah bah écoutez, ça commence à peu près bien. Voici le challenge qui vous attend. Le parcours du combattant. Ouais. Alors, le principe est très simple. Vous allez avoir un temps réglementaire, bien sûr. Il faudra donc sonner la cloche. Chaque fois que vous sonnez la cloche, vous gagnerez 100 points. Dès qu'ils ont sonné la cloche, nous, on peut partir. Ah non, non, vous allez tous les deux en même temps. Vous y allez tous les deux en même temps. Ah, on est en même temps. Ah oui. Dorian et Lannick vont partir en même temps. Ils vont sonner la cloche et ensuite, ça sera Harley et History qui vont partir après. Ah, ok. Attention. 3 minutes. 3, 2, 1. Bonne chance, c'est parti. Vas-y. T'inquiète. Non, il y a un mur invisible. Eh oui. Oh, pour l'instant, Dorian est parti. Ben, suis les flèches. Vas-y, Dorian, cours. Voilà. Je suis les flèches. Cours. Allez, cours, le mur d'échelle. Vas-y, prends les échelles. Allez, non. Vas-y, vois ça. Voilà, vas-y, c'est bien, vas-y. Vas-y, pousse-le. Pousse-le, on s'en fout. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alanik, bien, violet. Voilà, les violets sont en tête. Oh, les verts se rapprochent. Si jamais vous faites tomber votre wagonnet, vous recommencez depuis le début. Tranquille, Dorian, tranquille. Vas-y, Dorian, c'est bien, tranquille. Prends ton temps, tout va bien. Vas-y, Dorian, c'est bien, parfait. Fais comme lui, Snick, bordel. Alors, pour ceux qui arrivent, nous sommes actuellement en pleine émission de In the Watt. Voilà, allez, ensuite, faut sonner la cloche. Si jamais tu rates, c'est bah tant pis. Ok, 100 points. History, maintenant tu peux partir. Vas-y. Allez, History. Faut sonner la cloche. Sonnez la cloche. Oui, c'est toi. Vas-y. Dis-toi et prends ton temps. C'est pas ma faute, c'est le jeu qui est à ma foutu. Il est moins foutu le jeu. Truc invisible de merde là. Ouais, bah c'est mort. Il se fait une avance. Non, allez, Story. Non, j'aime pas les échelles comme ça. Allez, salut. Allez, Story. Allez. Très bien. Oui, maintenant il faut sonner la cloche. Monte sur le bloc. Et sonne la cloche. Si jamais tu foires, faut sauter. Tu sautes et tu sautes et cliques. Allez, bon, voilà. Tant pis, c'est trop tard. Non, voilà. C'est trop tard, History. Alanik, vas-y. La catastrophe. Vas-y. La catastrophe, comment on fait? T'es pas loin, Lola. Attends, vas-y, Lola. Je crois que j'ai peut-être pas utilisé la bonne technique. Non, en fait. Non mais Lola. Aïe, il reste 30 secondes. Vas-y, écoute. Vas-y, je pars. Salut. Vas-y. Ah, j'ai rattrapé Lola. Oui. Là, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi il est déjà là? Vous me ratez. Ils se sont ratés. Super. Allez, Lola. Entends. 10 secondes, vas-y. Attention. Oh, ça non. Il reste 10 secondes. Doucement, Lannick, doucement. Mais c'est fini, il se rate. 15 secondes, c'était c'est fini. Pas grave, égalité. Oh là là, bravo là à vous, là les verts. Mais la catastrophe. Bon. Je... Non. C'est bien, ça est bien sorti quand même.
si on est logique, Lolo, la victoire, elle est pour eux, parce que nous, on n'a pas réussi à sonner à la cloche. Donc, logiquement, oui. La victoire, elle est pour eux. C'est pas pour être méchant, mais là, il n'y a pas d'égalité. C'est la victoire, elle est à eux. Ouais. Bah oui. Donc, les scores à l'issue de cette manche, 1000 points pour les violets et 600 pour les verts. Je vais vous poser une question chacun. Il n'y a pas besoin du buzzer. Il faut juste me répondre le plus rapidement possible. Je vais vous poser une question, deux propositions. Si vous me donnez une bonne réponse, c'est 200 points. Une mauvaise réponse, c'est 0. À l'issue de cette manche, on va savoir quelle équipe sera qualifiée pour la boîte noire. Merci. L'équipe violette, voici votre première question. Quelle marque a inventé le chocolat blanc? C'est Alani qui va répondre. Quelle marque a inventé le chocolat blanc? Est-ce que c'est Mars ou Nestlé? Je vais parfumer sur Nestlé. Bonne réponse. Ouais. Équipe verte. Quel animal, Lola, quel animal est l'emblème du Royaume-Uni? Est-ce que c'est le castor ou le lion? Le deuxième. Le deuxième que t'as dit. Le lion? Oui. C'est une bonne réponse. History. Qui est l'inventeur de la pile électrique? Ah, c'est facile. Est-ce qu'il s'agit de Alessandro Volta ou Michael Energizer? Moi. C'est Alessandro Volta. Bonne réponse. Oui. Quelle est la capitale de la Jordanie d'Orient? Est-ce qu'il s'agit de Amman ou Rabat? C'est Rabat. Et non, c'est Amman. C'est le Maroc, Rabat. Équipe violette. Quelle est la bonne orthographe? Oui, Alanik. Quelle est la bonne orthographe de cette saucisse de porc? Est-ce la que c'est première... chipolata avec un P ou chipolata avec deux P? Première, je dirais. Première chipolata propose. Avec un P? Oui. C'est une bonne réponse. Question pour les verts. Donc, Lola. En combien d'arrondissements municipaux la ville de Paris est-elle divisée? Est-ce que c'est facile. 18 ou 20? Bon. Bonne réponse. Alanik. Non. C'est moi. Pardon, historique. D'après le film d'Étienne Chatiliez de 1988. Oui, peut-être. De 1988, comment est la vie? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille ou vaut la peine d'être vécu? La vie est un long fleuve tranquille. Yes, bonne réponse. Wow. C'est de l'histoire, ça. Ouais. Trop fort, history. Équipe verte, Dorian. Quel animal est aussi appelé goupil? Est-ce qu'il s'agit d'un renard ou d'un hamster? Oh, c'est facile, c'est facile. Je crois que c'est le hamster. Et non, c'est le renard. Oui, le renard, oh là là. Oui, aïe, 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 aïe. Le roman de renard. Question pour les violets. On va parler encore d'animal. Alanik, quel animal est le baudet du Poitou? Est-ce que c'est un cheval ou un âne? Je dirais un âne. Bonne réponse. Lola. Depuis 2013, les États-Unis reconnaissent officiellement les meilleurs joueurs en ligne comme des mathématiciens diplômés ou des athlètes professionnels. La première. Des mathématiciens diplômés? Non, la deuxième. Ouais. Mais non, ce sont des athlètes professionnels. History. Dans quelle ville française se trouve la cité de l'espace? Lille ou Toulouse? Ah, c'est pas Lille. Je l'ai, moi. Bah, moi aussi, je l'ai, c'est Toulouse. Bonne oui. réponse. J'ai dédié. Oui. Dorian, à quel chanteur français d'origine arménienne doit-on les tubes sur ma vie? Et. Formidable. Est-ce qu'il s'agit de Charles Trenet ou de Charles Aznavour? Aznavour. Bonne réponse. écoutez, c'est la fin de cette manche. Les scores finales sont 1000 points pour les verts et 2200 pour les violets. Donc les violets se qualifient pour la boîte noire. Bravo, félicitations. Bravo à l'équipe verte quand même. Ouais. Bravo à l'équipe verte. Arrêtez. Vous êtes très bien débrouillés. Bravo à vous.
Mais malheureusement, vous n'avez pas de chance. Voilà. C'est le challenge, c'est à cause de moi. Bah après, oui, bon. C'est vrai que le challenge était un petit peu catastrophique, même dans notre équipe. Bon, eh ben non. Écoutez, équipe Violette, History et Alanic, bravo. Félicitations à vous. Merci. Alors, je vais vous demander une question très simple. Qui veut faire la boîte noire et qui va le... Oh, j'arrive plus à trouver le mot. Guider. Voilà, merci. Qui va le guider, qui va faire la boîte noire? Merci. Moi, quand je guide, je n'ai zéro sens. Écoute, c'est moi qui vais te guider. Ok. Je pourrais filmer aussi la boîte noire d'en haut. Bah, y a pas de souci. Donc, Alanic fera le parcours et History, tu feras donc le guide. Très bien. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, bah, on va se retrouver dans quelques instants, le temps que je prépare la boîte noire. Il reste pas beaucoup de trucs. C'est parti. De toute façon, c'est en live, donc voilà, il n'y a pas de pub. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Oui. Bah oui. Oui, on est prêts. Eh bien, une fois que tu entres dans la boîte noire, je lance le chronomètre. C'est parti. Vas-y, Alanic, tu vas directement à droite. Ok. À gauche, maintenant. Après. Là, il faut que tu sautes en face de toi. Parfait. Ensuite, à gauche. Tu vas à gauche. Ok. Attends. C'est un cul-de-sac. Refais demi-tour. Devant toi. Tu sautes. Tu as une barrière à la History. Oui, je sais. Attaque. Voilà, si jamais tu veux voir un peu. Alors, le slime, c'est la clé. Vas-y, on retourne à gauche. À gauche, là ? À gauche, continue tout droit. Encore tout droit. Va contre la paroi. Fais un petit décalage sur la gauche parce qu'il y a un bloc invisible. Je suis sur la gauche. Ah non, non, non. Voilà. Voilà, maintenant, tu vas à droite. À droite, de suite ? De suite. Ah, tu continues. Mais je peux pas passer. Tu as un régime, tu vas tout droit. Et tu forces le passage. Et non. Je peux pas passer. Tourne-toi. Oui. Tourne-toi encore. Avance. Oh là, il est énervé. La gauche. Je crois que c'est un. Sur la gauche, gauche. Gauche. Gauche, la gauche, voilà. Non, la gauche. La gauche. Pas la droite. La gauche, encore. La droite, la gauche. C'est un cul-de-sac. C'est pas de cul-de-sac, pull. Cul-de-sac, purée. Tu sais pas rien. Okay. tu reviens en arrière. Droite. Right. Left. C'est pas vrai, mais il est coincé. Oh là là. Ça y est. Gauche. Tu vas tout droit, tu continues tout droit. Je peux pas tout droit. Faut que tu sautes. Mais je peux pas sauter. Il y a un mur. Tu vas à gauche. Tu décales un peu sur la gauche et tu sautes. Non, pas là. Pas non, pas gauche, pas sur la droite. On a même pas encore dépassé. Gauche. Gauche, ouais. Gauche, va à gauche. Droit, tout droit. Non. Voilà. Tu décales doucement sur la gauche et tu sautes. Parfait, enfin. Voilà, tout de même. Ensuite, tu avances un petit peu sur ta gauche. Tout droit, tu sautes. Ah, attends. Haute. Oui. Voilà. Parfait. Ensuite. Donc ici sont les clés. Ah, parfait, il avance. Ce sont des clés. Je vois rien là. Ce sont des clés, il faut juste trouver la clé. C'est des shulker bot. Voilà. Y'a rien. Ah bah y'a.
Il reste 3 secondes. Ah, si. Ah, c'est terminé. J'ai trouvé une clé. C'est terminé. J'ai trouvé la clé. Oh là là. C'est pas la peine. Oh là là. Je vais sortir, comment tu veux que je sors? Bon, ben, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle émission. Non, c'est moi qui l'ai appris. Si, elle était bien, c'est juste qu'il a confondu sa droite et sa gauche. Bon, bah du coup, bah ça sera pour la prochaine fois. Hein. La boîte noire sera gagnée pour la prochaine fois, on verra. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle émission. On se retrouve donc, j'espère, pour un deuxième épisode de In the Boîte sur Minecraft. Voilà, donc merci à tous. C'était Le Boyard. Passez une très bonne soirée, une très bonne fin de journée. Et à la prochaine, salut!